Comment fonctionnent le jour et la nuit sur une Terre plate ou convexe? Eh bien, la Terre est immense. Cette plateforme où nous sommes est bien plus vaste qu'on ne l'imagine. Le Soleil, la Lune, les étoiles, tout fait partie de la Terre ici. Ils sont dans les couches atmosphériques de la Terre, dans ce qu'on appelle les couches supérieures. Et le Soleil est bien plus petit. Il est petit, en réalité. C'est lui qui se déplace sur une Terre immobile, stationnaire. Entre guillemets, car elle a de légers mouvements, non ? Comme un léger balancement. Et le Soleil se déplace au-dessus de la Terre. Il suit un parcours, il se déplace sur cette plateforme. Tout comme la Lune, d'ailleurs. Elle se déplace aussi sur cette plateforme. Il y a un analemme, un mouvement, un trajet qu'il fait sur Terre. Étant proche de la Terre, bas en fait, le Soleil éclaire la région qu'il survole. Quand il s'éloigne, la région s'assombrit et devient la nuit. Le jour, c'est quand le Soleil passe au-dessus de cette région. Et la nuit, c'est quand le Soleil ne passe plus par là. C'est la lumière qui, dans l'atmosphère, cause le rayonnement solaire. Ça s'explique par la forme convexe de la Terre. C'est assez simple, en fait. Donc les sondes qui ont atterri sur Mars, c'était un mensonge. Oui, un mensonge. Tout est fait ici sur Terre. Ils filment et prennent des photos de Mars ici sur Terre. Ils changent juste le filtre, non ? Ils rendent rougeâtres des images de désert terrestre. Personne n'est allé sur Mars et n'ira jamais. Pas de robots, pas de photos. Rien de tout ça. La NASA nous ment effrontément à tous. Le docu sur les étoiles, le Soleil et la Lune, ça sort quand ? Eh bien, Roberto, on finalise les expériences. Malheureusement, on n'a pas pu finir à temps. On a dû voyager dans plusieurs pays, faire les dernières expériences. Non ? Cartographier le Soleil, la Lune, les astres. On est presque à la fin maintenant. Il reste 2 ou 3 voyages à faire. On doit aussi finir des expériences liées à l'Antarctique. Donc, je pense que d'ici mars prochain, on sortira le 1er ou 2e épisode du docu sur l'anomalie des astres. Si vous n'avez pas vu le docu Terre convexe, le premier de la série, je crois qu'il va éclaircir beaucoup de choses pour vous.